En compagnie de Valérie Gaulin pour cette journée porte ouverte à l'usine de la microbrasserie Charlevoix. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens peuvent savourer et apprécier quand ils viennent ici? Aujourd'hui, en fait, on vous invite à venir visiter nos installations. Vous allez pouvoir avoir des dégustations. À l'intérieur de la brasserie, on a placé des endroits, trois dégustations en particulier. Donc, on a une bière, une Sour French Kiss, qui va être accompagnée aussi d'un accord qu'on va vous suggérer. On a aussi une flacatoune et une blanche qui sont toutes les deux aussi accompagnées d'un mets de Charlevoix. Au niveau des installations, là, en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des gens qui nous expliquent un peu comment est-ce que la bière est faite, parce qu'on parle, là, des installations, on a des cuves immenses, donc au moins, le processus est expliqué un peu de A à Z. Donc, ça favorise la compréhension, et bien ça, de pouvoir voir un peu l'envers du décor, c'est magnifique pour un citoyen. Oui, bien en fait, c'est ça qu'on voulait aussi, c'est que c'est un peu abstrait pour les gens, comment on fait la bière, tout ça, puis en venant sur place à l'usine, vous allez pouvoir voir c'est quoi les installations, puis les gens qui font les présentations, c'est des employés, c'est leur métier, c'est dans quoi ils travaillent, donc vous allez pouvoir en même temps poser beaucoup de questions, et c'est ça, bien les installations, c'est sûr que c'est impressionnant, c'est vraiment gros, puis ça va permettre à la population de savoir un peu comment ça fonctionne, c'est différent du restaurant, donc là, on est vraiment dans une usine de production. C'est ça qui est intéressant. D'où est venue l'idée de faire cette journée spéciale-là, justement? Bien, en fait, nous, on en avait déjà fait une journée. Ça fait quand même quelques années. Puis en même temps, on avait sorti une bière qu'on avait présentée au public. Puis cette année, on avait voulu aussi faire un autre événement comme ça pour encore permettre aux gens de comprendre comment ça fonctionne puis d'être encore plus près des gens puis faire des activités avec notre communauté. Donc, puis de faire une journée familiale. Ça rentre aussi un petit peu avec nos activités reliées à notre 20e anniversaire de la microbrasserie. Donc, c'est tout un melting pot, je dirais, là, de choses qui fait qu'on a créé cette journée-là aujourd'hui. Sachant que la micro a dévoilé dernièrement ses nouvelles images de marque, est-ce que cette journée-là est venue un petit peu se greffer à un plus-value pour la population de pouvoir visiter davantage? Oui, ça permet ça aussi, mais c'est sûr que là, l'image de marque, c'est vraiment quelque chose qui a été sur une longue haleine. C'est un travail qui a pris quand même plusieurs années. Puis on est content cette année de l'avoir réussi à le sortir. Puis avec la journée d'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des anciennes choses, il y a des anciennes images avec les nouvelles images. Mais la bière, le contenu, là, c'est sûr que ça, c'est la même chose pour les gens. Donc, d'y goûter, ils ne vont pas avoir de différence là, par rapport à l'emballage, mais ça va permettre en même temps de voir les différentes images au fur et à mesure qu'ils vont graviter dans l'usine. Puis surtout à l'extérieur, quand ils vont aller aussi en boutique, il va avoir les nouvelles images qui sont là. Ça va être quelque chose aussi que le public va pouvoir voir de plus près. On compte combien d'employés qui travaillent à l'usine là, si on regarde tout le côté, la transformation et préparation du point A au point Z? En fait, Microbrasserie Charlevoix, présentement, on est à peu près à 22 employés. Et ça comprend quelques représentants qui sont à l'extérieur, à Québec ou à Montréal. Mais la majeure partie, soit 90%, je pense, des gens, on est ici à l'usine. Puis il y a beaucoup de monde qui travaille au niveau de la production. Puis c'est surtout aussi les gens travaillent en fonction du brassage, de l'embouteillage. Donc, quand on procède à une journée d'embouteillage, c'est sûr que là, on a plus d'occasionnels qui vont venir. Puis sinon, bien, les employés, c'est des employés permanents qui sont là à temps plein. Vous l'avez mentionné, c'est pas la première journée porte ouverte qu'on fait ici même. Donc, est-ce que pour vous, c'est un objectif important d'en organiser davantage comme ça pour permettre aux gens de venir voir ça? Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'on veut vraiment que les gens comprennent qu'est-ce que c'est Microbrasserie Charlevoix, nos installations, comment que ça fonctionne la bière. On veut être près des gens, puis on veut leur permettre de comprendre puis de goûter à nos produits aussi. Donc, puis de faire aussi vivre un événement à la région de Charlevoix, mais aussi la région de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est vraiment plusieurs facteurs là, qui fait qu'on a fait cette journée-là. Puis en même temps, bien, c'est une journée qui est vraiment motivante pour les employés parce que toute l'organisation qui a été faite aujourd'hui, ça a été fait par les employés, toute la préparation de tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est venu comme de la direction ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment fait par les gens là, que vous allez voir aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a mis comme des identifications sur... sur tout le monde, bien, en fait, c'est pour que les gens puissent aussi nous poser des questions. Qu'est-ce que ça fait un journalier? Qu'est-ce que ça fait un brasseur, un contrôleur? Donc, ça vous permet en même temps de savoir qui qu'on est puis de pouvoir poser les autres questions reliées aux emplois. Au Québec, en 2019, les microbrasseries prennent de plus en plus d'importance. On en crée, on en est là davantage. Ici, la microbrasserie a en fait son endroit, le pub, qui est au centre-ville. On a également l'usine qui est sur place. Donc, je pense que pour la micro Charlevoix, là, l'implantation est très, très bien faite. Là. Oui, bien, c'est sûr que ça fait depuis 1998 hein, qu'on est là, hein, comme je disais tantôt, ça fait 20 ans. Donc, le pub, ça a été vraiment une place où les gens ont pu aller sur place, déguster en même temps un repas, puis être entre amis.
Puis avec la demande qui avait été vraiment soutenue aussi quand le pub a commencé, puis avec les années, en 2007-2008, c'est là que vraiment c'était nécessaire d'avoir l'usine qu'on a ici. L'implantation, c'est sûr qu'elle est... C'est une usine qui est vraiment dans sa ville puis qui fonctionne super bien présentement, puis même au niveau de l'industrie. D'avoir deux, dans le fond, c'est comme deux microbrasseries à l'intérieur d'une même ville. C'est quand même particulier. On n'a pas une grande, c'est pas une grande ville nécessairement, Baie-Saint-Paul. Donc, c'est ça. On est bien content de la façon aussi que les gens nous connaissent puis qu'on réussit à s'implanter puis à présenter aux gens tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait. Puis on essaie d'être vraiment présent puis de participer là, avec toute la communauté. Pour faire un petit clin d'œil à mes collègues médias et aussi aux citoyens, est-ce qu'il y a encore des gens parfois qui se mélangent entre votre usine et le pas principal? C'est régulier, c'est vraiment fréquent. On essaie vraiment de le préciser, mais malheureusement, en plus, la chose qu'on fait présentement, c'est qu'on essaie vraiment d'uniformiser l'entreprise. Donc, on parle plus de microbrasserie Charlevoix, comprenant le restaurant Saint-Paul, comprenant l'usine. C'est vraiment comme une entité qu'on veut faire unique. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile des gens. « Ah, tu travailles à la microbrasserie. » Souvent, il y en a qui vont penser qu'on travaille au Saint-Paul. Puis, il y en a d'autres, bien, ils ne sauront pas qu'on... C'est ça, il va y avoir un mélange des deux. Mais c'est pas plus grave que ça. De toute façon, les gens peuvent... ils peuvent aller d'un côté ou de l'autre, puis on est capable de les orienter facilement aussi, là. Excellent. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée et le plaisir de se revoir autour de bonne bière. Merci. Merci beaucoup.